Salut tout le monde, c'est Kaito de Solatalan de France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory Refrac pour vous faire une nouvelle multi-invocation sur le nouveau portail Cardinal Administrator. Donc on y va, on va aller voir un peu ce que font les personnages avant d'invoquer comme toujours. Et puis en espérant qu'on ait un peu de chance. Parce qu'il est vrai que pour l'instant sur les tirages on est un peu mitigé, hein. Même si on avait eu une chance sur les records. Donc celui-là, je vois qu'il n'y a pas de record cristal, donc je ne suis pas sûr qu'il y aura des... Comment on appelle ça? Des rate-up. Je ne ferai qu'une invocation sur ce portail, hein, donc j'en ferai pas plusieurs. Donc si j'ai quelque chose dès le premier coup, tant mieux. Si j'ai rien, et bah tant pis. Donc du coup on va voir un petit peu ce que font les personnages, déjà en regardant un petit peu les stats. Donc 3700 de critiques et 4200 à peu près, 4242 d'attaque pour Administrator, qui est donc à la rapière d'arc. D'accord, elle a un peu moins de MP que ce qu'on a vu précédemment, hein, 266 MP. Administrator, elle est au bâton. Donc bâton, d'accord. Donc elle a 4300 d'attaque et 3000 de critique, mais elle a un peu plus de MP, qui est donc à 269 MP. Très bien. Que font ces personnages? Donc ces personnages font une augmentation de l'attaque de votre team et récupèrent leur propre vie. Et ensuite sur la limit break, le personnage deux fois, vous avez le boost d'attaque qui est fait plus d'effet, donc il est un peu plus puissant quand il est actif. Et pour finir, quand on se met en mode garde, donc en mode défense, un auto-paring se fait automatiquement. Si le boss fait un coup où vous pouvez le paring. D'accord, bah ok, ça a l'air plutôt pas mal à vue d'œil comme ça. Bon, j'ai pas de préférence pour ni l'une ni l'autre. On va déjà voir un petit peu déjà ce qu'elles font. Et puis comme ça, on pourra se faire une petite idée. Mais au niveau comme ça, j'ai pas de préférence pour le moment. Donc, Administrator. Order in the world plus. Ok. Bon, c'est ni plus ni moins un rayon, quoi. Avec 13 de combo. Et puis après, utiliser ses cheveux pour terminer. Ok. Donc on a 13 de combo pour Administrator. Donc pour Cardinal. Ok. Refresh, Spark, Lightning, Meditation Plus. Ok. J'ai pas vu combien de combos il faisait par contre. Ah ouais, 22 pour Cardinal, c'est énorme. C'est énorme. Cardinal qui fait 22 de combos. D'accord. Et au niveau du switch. Au moment où elle lance son dernier rayon. D'accord. Et pour Administrator, voilà, au moment où elle attaque avec ses cheveux. D'accord, bah, très bien. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est vrai que là, Cardinal donne envie avec ses 22 de combo. Au niveau des armes, on est à 1605 d'attaque pour Administrator et 1590 pour Cardinal, d'accord. Et elles font 12 attaques et 12 de critique avec le bon élément et requièrent moins 10 MP sur vos SS super attaques 1, 2 et 3. D'accord, très bien. Et ben on y va. Est-ce que Argo va être sympathique? Parce que, comme je vous rappelle, je ferai qu'une invocation dessus. Donc on y va. Allez, c'est parti. 5 étoiles minimum. Est-ce qu'il va avoir la nuit ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir de nuit pour le moment. On a un avion
mais ça ne veut rien dire. Pour l'instant, on est plus sur un 5 étoiles. Rien, toujours rien pour le moment. Non, Stilica. Ouais, pas de petit sonnage, donc y a rien. Ici non plus. Ouais, ça sent pas très bon, hein, cette multi. Enfin, très bon, on a déjà eu un 5 étoiles, c'est déjà mieux que rien, mais. Voilà, ici il y a quelque chose. Il n'y a pas eu la nuit qui est tombée, mais ça veut rien dire quand même, mais bon. C'est très rare. Voilà, donc là c'est un. Un 5 étoiles, d'accord, 7 Popstar Online. Qui nous fait 100 Hacking Crystal. Je ne sais pas s'il va y avoir autre chose. Bah, je pense pas. Je ne pense pas. Voilà. D'accord, bah, juste Seven, voilà. Donc, c'était pas une multi pour nous, voilà, c'est tout. Encore une fois, donc du coup, bah, j'irai pas plus loin parce que je vais pas mettre 250 MD, voilà, c'est tout. On n'a rien eu, on n'a rien eu. Donc du coup c'était Kirito et je vous laisse là comme il n'y a rien à monter là du coup. Ah si je pouvais peut-être vous faire voir ce que j'avais peut-être pas... vous avez peut-être pas montré ma Asuna du coup bien montée parce qu'il n'y avait pas eu assez de clés ni de potions je crois. Donc je peux vous montrer vite fait. Alors elle est où là Asuna? Hop elle est là, voilà. Donc là voilà. Donc avec une rapière 85, elle a déjà 7000 d'attaque, donc elle est plutôt forte. 5700 de critique. Elle est vraiment vachement pas mal hein, pour ce personnage-là. En plus, avec une R4, hein, j'ai pas de R5 non élémentale, donc avec une R4, franchement, 7000 d'attaque, c'est très très bien. C'est très très bien pour ce nouveau personnage. Donc voilà, donc du coup, je vous laisse là. Et c'était Kirito, et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut, salut.